Et bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo. Alors je vais vous montrer donc une petite création site web pour donc en JavaScript hein, pour calculer les nombres premiers. Donc tout simplement il crée un tableau énorme, donc 500 nombres par exemple. Et lorsqu'il trouve un nombre premier dans le tableau, il scanne la suite par multiplicateur, par exemple, x2, x3, x4, et il va remplacer ce nombre-là par 0. Et bien 3 x 2, ça fait 6, 3 x 3, 9, etc. Bah, du coup, 6, 9, 12, 15 et 18, etc. seront remplacés par 0, du coup, ils ne s'afficheront jamais. Et ils ne seront même pas scannés par le tableau, quoi. Donc du coup, voilà, je vous laisse regarder le petit timelapse, et par souci de droit d'auteur, je vais vous faire un petit beatbox. Du coup voilà, bon j'espère que le timelapse vous aura plu. Donc en gros voilà, hein, y a un tableau, on le découpe. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre pause aussi à la fin, là je vais laisser ce code là si jamais vous voulez l'écrire et ou modifier ou faire ce que vous voulez. Et juste pour comparer, donc les premiers nombres qui sortent de ma page web à gauche sont bien pareils que ceux en haut à droite de mon écran qui sont tirés donc de Wikipédia. Voilà. Donc sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des idées mathématiques un petit peu comme ceci, qui est complètement cool, n'hésitez pas à me les partager. Donc par exemple, si je mets 0,5 comme ceci ou que je rajoute des choses, bah voilà, c'est juste extraordinairement magnifique. Donc ça, c'est une idée mathématique que j'ai depuis un sacré bout de temps, que j'ai enfin réalisée. Et du coup, voilà, donc il y a des formes vraiment ouf. Hop, je peux random. Voilà, donc bref, c'est juste complètement magnifique. Du coup, si vous avez des idées mathématiques, n'hésitez pas à me les partager, des idées de programmation également, de petits jeux, de sites web, de je ne sais quoi. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou un commentaire. Donc sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt. J'aurai une petite vidéo qui sortira, je pense, dans une semaine et demie, peut-être deux semaines, sur un nouveau petit jeu que j'ai commencé à faire, éventuellement sur le Tamagotchi aussi, je sais pas, enfin bref. Bon, tout ça, c'est vraiment en travaux, hein, y a rien de terminé, bon bref, mais du coup, voilà, donc je vous montrerai un petit peu les avancées de la chose. Et puis, si ça vous intéresse à la programmation, n'hésitez pas à me poser des questions sur comment faire ceci, cela, etc. Sur ce, à très bientôt.